L'hippopotame est le troisième plus gros animal terrestre. Avec des poids qui avoisinent les 3,5 tonnes pour des mâles imposants, et une allure peu gracieuse, cet animal cache bien son jeu. En effet, il est extrêmement agile, il peut courir à plus de 30 km par heure, d'ailleurs c'est l'animal le plus meurtrier d'Afrique. Contrairement aux idées reçues, l'hippopotame ne nage pas mais marche sur le fond de l'eau. Véritable mammifère amphibie, la couche externe de sa peau est fine et se dessèche facilement. Il est sensible aux piqûres d'insectes. Malgré les sécrétions des glandes épidermiques, la peau se craquelle si elle n'est pas humidifiée régulièrement, dans l'eau ou la boue. La couche interne de la peau de 3,5 cm d'épaisseur est remarquablement résistante. Les hippopotames forment une famille de mammifères vivant principalement en Afrique. Ils font partie des familles des artiodactyles et des therapsida. La tête de l'hippopotame est très grande, large, aplatie. Ses quatre dents peuvent former une arme redoutable. Son corps fort et gros est presque nu. Il repose sur ses pattes courtes en forme de colonne avec quatre doigts à chaque patte. La grande capacité de ses poumons lui permet de flotter facilement dans l'eau. Il arrive à galoper à 30 km par heure en cas de danger. Les adultes possèdent de 36 à 40 dents, car le nombre d'incisives peut être soit de 4, soit de 6. Les canines ne cessent de croître. Elles peuvent atteindre 60 cm et peser 3 kg chez le mâle, 1 kg chez la femelle. Aiguisées comme des rasoirs et poussant vers l'extérieur, comme des défenses, elles constituent des armes redoutables. La première molaire, présente dans la dentition de lait, n'est pratiquement jamais remplacée par une dent adulte. Elle peut donc rester longtemps dans la bouche de l'animal, aucune nouvelle dent ne la chassant. On peut rencontrer les hippopotames dans la savane ou les zones de forêt. Il leur faut un habitat qui présente suffisamment d'eau pour qu'ils puissent s'immerger et de l'herbe à proximité. Les hippopotames mangent des végétaux, ils broutent des plantes dans l'eau et sur terre. Les petits qui ne sont pas protégés peuvent devenir la proie de lions, hyènes et crocodiles. Rester à côté de la mer est une bonne protection car les dents sont capables de couper un crocodile de 3 mètres en deux. L'hippopotame atteint la maturité sexuelle à l'âge de 6 à 13 ans pour les mâles et 7 à 15 ans pour les femelles. Les hippopotames n'ont pas de véritable période de reproduction mais la plupart des accouplements ont lieu à la saison sèche. Les naissances sont ainsi plus nombreuses à la saison des pluies. Les petits naissent toujours à la saison des pluies. Si bien qu'il n'y a qu'une vague de naissance dans les régions où il n'y a qu'une saison des pluies par an, comme en Afrique du Sud, et deux vagues, dans l'est de l'Afrique, où il y a deux saisons. Ils s'accouplent de 227 à 240 jours plus tôt, pendant la saison sèche. L'estrue, c'est-à-dire le moment du cycle où la femelle est en ovulation, dure environ 3 jours. Elle met son petit au monde en eau peu profonde, ou bien à terre, mais dans une zone bien protégée. Elle le défend férocement, contre les grands prédateurs, et, contre les mâles adultes de sa propre espèce. Après la naissance, la femelle reste isolée une dizaine de jours avant de rejoindre le groupe. Le taux de mortalité infantile est très élevé. Il va jusqu'à 45% au cours de la première année, il est de 15% lors de la deuxième. Au-delà, jusqu'à environ 30 ans, chaque classe d'âge perd chaque année environ 4% de ses effectifs. Le petit reste avec sa mère jusqu'à la naissance du suivant, voire au-delà,
et l'on rencontre souvent des femelles entourées de plusieurs jeunes d'âges différents. En moyenne, les naissances sont espacées de 24 mois, 8 mois de gestation, 1 an de lactation et encore 4 mois des anestrues, c'est-à-dire de repos complet. Seuls 10% des femelles sont fécondées lorsque leur cycle reprend pendant quelques jours, juste entre naissance et lactation. Les jumeaux sont rares. Les bébés hippopotames savent nager avant de savoir marcher. Ils utilisent le dos de leur mère pour se reposer à la surface de l'eau, car ils ne peuvent rester que 1 ou 2 minutes en apnée, alors que les adultes tiennent facilement 5 minutes. La croissance va bon train. Pesant de 27 à 50 kg à la naissance, le petit atteint 250 kg à 1 an. La maturité sexuelle est atteinte vers 12 ans, et le jeune devient alors un rival possible pour l'adulte. Les jeunes ne sont que tolérés par les dominants. Tant que juvéniles, et surtout mâles presque adultes, adoptent une attitude respectueuse face au maître des lieux, tout va bien. S'ils effectuent les défécations de soumission, de rigueur, c'est encore mieux. La femelle protège férocement son petit, y compris contre les hippopotames mâles adultes. Lorsqu'un mâle vient de se battre farouchement pour un territoire, il se retrouve avec de nouvelles femelles. Si celles-ci ont des petits, elles les allaitent et ne peuvent donc pas être en chaleur. Il arrive que le mâle tue les petits qui ne sont pas les siens. La femelle redevient disponible et il peut s'accoupler avec elle. L'hippopotame se nourrit peu proportionnellement à son poids. Sa ration quotidienne, 40 kg d'herbes fraîches, ne représente que de 1 à 1,5% de son poids en matière sèche, alors que tous les autres ongulés animaux à sabots ont besoin de manger 2,5% de leur poids pour vivre. Quand tout va bien, ses pâturages sont, en moyenne, situés entre 2,8 et 3,2 km d'un point d'eau, mais, en cas de disette, il peut marcher jusqu'à 10 km, seul ou en petit groupe. Pendant la saison sèche, il est même capable de jeûner assez longtemps. Autre caractéristique, l'hippopotame ne se nourrit qu'après le coucher du soleil. En fin d'après-midi, les signaux acoustiques deviennent plus nombreux, la fréquence des bâillements augmente, annonçant l'approche des déplacements alimentaires. Les groupes d'hippopotames continuent ainsi à communiquer la nuit pendant qu'ils recherchent leur nourriture. Les animaux se répondent. Le son portant jusqu'à 1 km le long de la rivière, une chaîne d'écho de proche en proche et de groupe en groupe, retentit tout au long du fleuve. La nourriture de l'hippopotame consiste en diverses espèces de graminées, des genres Panicum, Urocholera ou Cynodon. Selon les endroits, son régime peut comprendre 10 de graminées différentes. Il est assez sélectif, choisissant les espèces les plus appétissantes et délaissant les autres. Les hippopotames peuvent vivre pendant 40 à 50 ans. L'hippopotame est une espèce vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Thank you.
Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.